Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous permettre d'XP en illimité très facilement et très rapidement. Alors pour réaliser ce glitch, il faudra se rendre dans le menu créatif, enfin dans le mode créatif de Fortnite. Quand vous êtes dans le mode créatif, vous allez utiliser les deux failles qui sont ici. Utilisez bien ces deux failles pour ne pas galérer. Voilà, repérez-vous par rapport au décor. Donc utilisez ces deux failles. Ensuite sur le pad de gauche, vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code c'est 518502747658. Ensuite vous validez et vous acceptez. Maintenant sur le pad de droite, vous allez rentrer le code qui est le 09603147 4924. De toute façon, les deux codes seront en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Ensuite, quand vous avez noté les deux codes, vous allez rentrer dans l'île de gauche et là, vous allez attendre d'apparaître dans cette île. Donc, quand vous êtes dans le mode de jeu, quand vous êtes apparu, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un bonhomme de neige furtif. Ensuite, vous allez prendre un poisson ombre et vous allez prendre des pièces. Quand vous avez pris ces trois éléments, vous allez prendre la faille de God Mode. Donc là, ça va vous renvoyer dans l'accueil du mode créatif. Donc vous attendez de réapparaître dans l'accueil. Quand vous êtes dans l'accueil, vous allez voir que quand vous allez appuyer deux fois sur X, comme je vais faire, donc regardez, deux fois sur X, et bien là, vous allez pouvoir voler. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous vous dirigez vers la map, la deuxième map que vous avez rentré le code. Et là, vous allez tout simplement monter en volant au-dessus. Donc en maintenant X, vous allez monter. Et là, regardez, et vous allez avancer tout droit. Et là, regardez, j'ai un mur orange invisible qui me bloque le passage. Donc ce que je fais, c'est que je vais monter pour passer au-dessus du mur orange. Voilà. Donc là, j'arrête de monter parce que je vois qu'en haut à droite sur ma carte, j'avance. Donc ça veut dire que j'ai bien passé le mur orange, donc plus besoin de monter. Et là maintenant, je vais tout simplement me diriger vers la lumière rouge qu'il y a devant moi. Donc vous faites pareil, dirigez-vous vers cette lumière. Donc à ce moment-là, l'île va charger. Et là, regardez, il y a un bâtiment avec des panneaux solaires. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez vous mettre sur la dernière fenêtre ici, juste à côté de la faille. Ensuite, vous allez utiliser votre poisson ombre et vous allez l'activer. Ensuite, quand vous êtes en ombre, vous allez passer à travers la fenêtre. Voilà, ensuite vous enlevez votre ombre, vous allez utiliser votre poisson, votre bonhomme de neige plutôt, voilà, vous le lancez ici sur la faille. Donc là, il va falloir bien placer le bonhomme de neige comme moi je le place. Donc regardez, hop, vous le placez vraiment bien comme moi je le place. Si maintenant, vous ne l'avez pas vraiment bien placé comme moi ou que pendant que vous faites le glitch, ça vous fait respawn ici, ben, c'est pas grave, si vous respawnez ici pendant que vous faites le glitch, vous replacez le bonhomme de neige bien comme il faut sur la faille. Et ensuite, ce que vous faites, ben, c'est que vous appuyez sur option, vous faites réapparaître et là, normalement, ça relancera le jeu. Donc ça, c'est si jamais vous avez mal placé le bonhomme de neige. En fait, si vous avez mal placé le bonhomme de neige, vous allez normalement pouvoir le replacer. Donc voilà, donc si vous, quand vous avez placé le bonhomme de neige ici, donc on revient à cette étape-ci, quand vous avez placé le bonhomme de neige, ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre poisson ombre et là, vous passez à travers la vitre pour revenir dans la map. Ensuite, vous allez vous diriger vers le milieu de la map, voilà comme je suis en train de faire, et là, vous allez déposer votre poisson, voilà, vous allez sur votre inventaire, vous déposez votre poisson là et vous déposez vos pièces. Voilà, comme ceci, quand vous avez déposé ces deux trucs là, vous appuyez sur option, vous allez dans vos paramètres, dans menu et vous allez faire réapparaître, puis triangle pour accepter. Et là, vous attendez de réapparaître. Donc là, vous allez réapparaître. Il y aura un compte à rebours, il faudra attendre que le compte à rebours soit terminé pour vous renvoyer dans la map. Donc il y a 5 secondes à attendre. Ensuite, vous allez récupérer vos poissons. Regardez, il y a le poisson et les pièces qui sont juste ici. Donc vous les récupérez, voilà, comme ceci. Ensuite, donc là, j'avais déjà les pièces. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait le glitch avant. Et en fait, quand vous revenez dans la map, ça sauvegarde votre inventaire. Enfin, moi, ça a sauvegardé mes pièces. Donc, à chaque fois que vous allez revenir dans cette map, vous aurez toujours les 1 million de pièces. Donc, ça, c'est cool. Alors maintenant, donc c'est pour ça que je peux pas récupérer le stack de 1 million parce que j'en avais déjà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est tout simplement suivre la petite ligne blanche là qui sort de votre corps. Donc, vous allez suivre la ligne blanche.
et vous dirigez par ici. Donc là, en fait, il y a deux glitches en un. Je vous en présente deux. Donc là, le premier glitch, vous n'allez pas pouvoir le faire en illimité. Mais le deuxième glitch que je vais vous présenter, vous allez pouvoir le faire en illimité. Alors là, le premier glitch, consiste à prendre ici les Power Cells. Donc vous prenez les Power Cells. Je pense que vous pouvez en acheter plusieurs. Je pense qu'il faut en acheter au moins une quarantaine, je crois. Attendez, je vais regarder un truc. Je crois que c'est une quarantaine qu'il faut en acheter. Attends. Bah, de toute façon, je vais en acheter une vingtaine ou une quarantaine. Donc voilà. Non, en fait, je pense qu'avec 25, vous aurez suffisamment de Power Cell. Donc là, j'en ai 29. Normalement, c'est suffisant. Je pense que même 25, c'est suffisant. Donc quand vous en avez acheté 25, vous vous dirigez par ici. Vous suivez le même chemin que moi. Et vous allez voir qu'il y aura un truc que vous allez pouvoir charger. Donc voilà, ça s'appelle Level Up, que vous allez pouvoir charger. Alors ça, vous n'allez pouvoir le charger qu'une seule fois par compte. Donc ça veut dire que même si vous relancez le jeu, vous serez toujours level up maximum. Donc regardez, quand je vais faire level up, je vais gagner des XP. Donc là, je gagne 296. Ouais, c'est ça. Et là, regardez, je suis level 2. Ok. Donc il faut savoir que là, j'ai gagné 296. Là, je gagne 295. Les XP que je gagne, vous pouvez en gagner beaucoup plus, hein. Vous pouvez en gagner genre 2000, 5000, 10000, ça dépend en fait. Ou peut-être vous allez en gagner 1, 50, 100. C'est totalement aléatoire. Il y a des comptes qui vont gagner beaucoup et il y a des comptes qui vont pas gagner beaucoup. Donc c'est complètement aléatoire. Donc si vous avez de la chance, vous aurez beaucoup d'XP, ou sinon, bah tant pis. Donc là, vous augmentez le truc au maximum. Donc vous spammez carré, 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 carré pour l'augmenter au maximum. Donc là, ça va quand même me rapporter pas mal d'XP. Ah, je n'ai plus assez de charge. Donc en fait, ouais, il fallait bien une quarantaine, voire même une cinquantaine. Je suis même pas à la moitié là. Ouais, il faut peut-être même une soixantaine de Power Cell. Donc en achetez-en 60, voire 80. Voilà, donc là, je vais continuer à en acheter. Je vais en racheter une quarantaine. Normalement, ça devrait suffire. Comme ça, j'en aurais eu 70 plus ou moins. Donc là, je vais en racheter. Donc voilà, là j'en ai acheté une quarantaine, donc je retourne. Ah, j'en ai acheté 39, mais c'est pas grave. Là, je retourne à l'emplacement où je pouvais level up, juste ici. Et on va voir si je peux tout améliorer avec une soixantaine de trucs, on va voir. Donc là, c'est bon. Donc en fait, en haut à gauche, il est marqué, hein, ça me demande 5 par 5 en fait. Ok, donc là j'en ai plus. Donc il m'en faut encore 5, 10, 15, 20. Il m'en faut encore 20. Attendez, en fait, ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a 20 et il en faut 5. Donc 5 fois 20, ça fait 100. Ok, il vous faut 100 Power Cell en fait au final. Donc là, il m'en manque 20. Donc, je vais les acheter, hop. Ok, donc voilà, là j'en ai acheté 20. Normalement, ça devrait être suffisant. Nous allons savoir ça tout de suite. Ok, donc là il me manque 4 niveaux. Hop, niveau. Ouais. Et voilà. Donc là j'ai acheté le maximum de niveaux. Après vous pouvez plus, hein. Vous pouvez plus acheter de niveau parce que vous êtes niveau max et vous pouvez le faire qu'une seule fois ça. Donc maintenant je vais vous montrer le deuxième glitch dans cette map qui va vous permettre d'XP en illimité autant de fois que vous voulez. Donc là vous retournez au centre de la map, tout simplement. Ensuite vous allez aller du côté orange. Donc là où il y a la couleur orange, le Death Run orange. Ouais, je vais reprendre un peu de pièces, pourquoi pas. Voilà. Et là, vous allez monter par ici. Voilà. Ensuite, vous allez vous mettre plus ou moins par ici. Et regardez en haut, il y a un générateur mauve. Donc ce que vous faites, c'est que vous utilisez votre ombre, votre poisson ombre. Ensuite, vous sautez et vous passez à travers le mur ici. Zut, j'ai raté. Donc là, je vais retourner là-bas. Hop. Et là, vous allez devoir passer à travers le truc comme ceci. Et là, vous arrêtez. Voilà. Là, vous vous arrêtez. Ah, j'ai raté encore. En fait, faut pas toucher le. Ou peut-être que j'ai mal placé le bonhomme de neige. Je ne sais pas. Ah merde, j'ai plus de poisson ombre. Je pense que j'ai peut-être mal placé le bonhomme de neige. Et en fait, je pensais que ça allait me TP là au bonhomme de neige, mais ça m'a pas TP au bonhomme de neige. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réapparaître et là je vais faire spawn blindé de poissons au cas où je me faille. Donc là je recommence, c'est parti, let's go. Ok, donc là je réessaye, je prends mon poisson ombre, je passe à travers la vitre, ensuite, ah,
j'ai raté, hop, je repasse à travers la vitre, voilà. Ensuite, j'enlève mon ombre, je prends un bonhomme de neige, je le lance ici, je me mets dedans, donc je vais arrêter de voler, ce sera peut-être plus simple. Je me mets dedans et là, je vais essayer de bien mettre le bonhomme de neige dans la faille. Voilà, comme ceci. Normalement, là, ça devrait être bon. Je vais même essayer de mettre un bonhomme de neige par-dessus. On va voir si j'y arrive. On va en laisser un là. Je vais essayer de le mettre juste au-dessus de l'autre. Je ne sais pas si ça fonctionnera. On va tester. Là, je pense que je suis bien au-dessus. Ouais, non, ça ne fonctionne pas, ça le casse. Donc là, j'espère bien l'avoir placé. Et on va réessayer, tout simplement. Donc j'utilise mon poisson, hop, je passe à travers la vitre. Je viens ici, j'enlève mon ombre. Ensuite, j'arrête de voler. Hop. Et en fait, ce que je vais faire là, c'est pas, je vais pas déposer mon poisson, je vais faire une danse. Ok, ça ne fait pas spawner. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lancer plusieurs poissons. Comme ça. Non, je voulais pas l'utiliser. Je voulais le lancer. Donc je vais lancer plusieurs poissons. Bah, ça veut pas. Ok. 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 Voilà, normalement, il y en a plus ou moins assez. Quand vous en avez lancé plus ou moins assez, ben, vous faites réapparaître et vous attendez de réapparaître. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est comme j'ai plusieurs poissons ombre, je vais pouvoir, si maintenant le bonhomme de neige est mal placé, je vais pouvoir aller rebouger le bonhomme de neige. Je vais vous montrer comment faire au cas où. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de relancer la partie à chaque fois. Donc là, je vais récupérer tous les poissons. Voilà, parfait. Vous pouvez en lancer pas mal. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'en lancer. J'en ai lancé quelques-uns, mais normalement, ça devrait suffire. Donc là, ce que vous faites, si vraiment vous voyez que vous vous faites encore re-TP dans la map, ça veut dire que votre poisson ombre, ça veut dire que votre bonhomme de neige est mal placé. Donc ce que vous faites, c'est que vous allez par ici. Et là, en fait, vous allez utiliser votre poisson ombre pour remonter tout en haut du bâtiment. Donc hop, comme ceci. Comme ça, vous allez pouvoir aller redéplacer le bonhomme de neige au cas où il serait mal placé. Là, vous montez, vous montez, vous montez, hop. Et là, vous voyez, vous allez tout simplement enlever votre ombre, appuyer sur carré et redéplacer le bonhomme de neige pour le reculer ou l'avancer. Ensuite, vous sortez, vous réutilisez un poisson ombre et vous passez à travers la vitre au cas où il serait mal placé. Donc, c'est ce que je vais faire. Si maintenant, j'ai encore mal placé le bonhomme de neige, ben c'est ce que je vais faire. Donc là, logiquement, vous vous dirigez vers la couleur orange, donc le dead strand orange. Et là, quand je vais passer à travers le tuyau, comme ceci, ça ne devrait pas me TP. Voilà, parfait. Donc là, j'ai bien placé le bonhomme de neige parce qu'il ne me TP pas. Vous voyez, je me fais plus TP quand je passe ici. Donc quand c'est bon, vous enlevez votre ombre. Et là, vous allez tout simplement spammer carré, 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 carré jusqu'à autant de temps que vous voulez pour récupérer un maximum d'XP. Alors là, vous voyez que je gagne que 69 d'XP. C'est possible que vous gagnez plus d'XP. Comme je vous ai expliqué, c'est totalement aléatoire. Donc, faut essayer le glitch pour voir si ça fonctionne bien chez vous ou si ça fonctionne pas bien. C'est possible que vous prenez 1000 XP par 1000 XP. La personne que j'ai vue, l'américain, faire ce glitch, je crois qu'il prenait du 2500 XP par 2500 XP à chaque fois qu'il prenait... Un power cell. À chaque fois qu'il prenait un power cell, il gagnait 2500 XP. Donc, faut vraiment essayer. C'est totalement aléatoire en fonction des personnes. Donc, si vous avez de la chance, vous gagnerez beaucoup d'XP. Si vous n'avez pas de chance, bah, tant pis, vous gagnerez pas beaucoup d'XP. Donc là, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, une dernière petite information. Regardez à droite, en dessous de la mini-carte, il est marqué play for 25 minutes pour gagner plus d'XP. Donc là, regardez, quand je prends un power cell, je gagne 68 XP. Donc l'XP a diminué, mais c'est possible qu'au fur et à mesure du temps que vous allez passer dans la map, l'XP va augmenter parce qu'en fait, il y a un play for 25 minutes pour gagner plus d'XP. Donc logiquement, plus vous allez passer de temps dans la map, plus vous allez gagner d'XP. Dans ce genre de map, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao. Peace.